Une vidéo de la team des beautés majuscules pour vous présenter un produit de la marque Ayoma, le Sublime Stick. Coucou les Silvers, nous revoilà aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois pour une vidéo de la team des beautés majuscules. Ce mois-ci, il s'agit d'une collaboration avec la marque Ayoma. Ayoma, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai le lien en barre d'infos avec une crème que j'avais pu faire sur mesure. Cette fois-ci, c'est le Sublime Stick, on va y revenir. Je ne vous ai pas parlé de la team des beautés majuscules, alors c'est quoi? C'est une idée de Nicole Tonnel qui a maintenant plus d'un an. Nous sommes plus de 20 femmes de plus de 50 ans à avoir un réseau social, YouTube, un blog, un compte Instagram. Et chaque mois, le 15 du mois, nous vous présentons soit un produit, soit nous avons un sujet à vous exposer. Nous ne nous concertons pas et chacune peut donner ainsi son avis. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, on a testé un produit de la marque Ayoma. Alors moi, j'ai reçu le Sublime Stick. Le Sublime Stick, c'est quoi? Alors, il est présenté sur le site comme une baguette magique ting, qui fait disparaître les rides. Comment ça marche? Alors, c'est un stick déjà qui est facile à transporter sur soi. Vous voyez, c'est tout petit, on peut le glisser dans le sac. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Alors, ce produit, quelle va être son action? Eh bien, vous voyez, il y a deux côtés. Voilà. Un côté avec une bille que vous voyez ici et un côté avec, vous voyez, une espèce de petite palette plus plate avec le produit qui sort à l'intérieur. Alors, comment on l'utilise? Eh bien, il va avoir d'abord un effet anti-ride, mais aussi un effet flouteur. Alors, pour l'utiliser, le mieux, c'est de vous montrer en vidéo. Vous allez voir la vidéo à côté de moi. Alors, on va utiliser d'abord cette partie-là, cette partie avec la bille ici, qui déjà, la bille étant en métal, ça a un effet frais qui est toujours agréable. Voilà, déjà, ça, on peut le dire. En fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va faire sortir le produit en tournant ici la petite bague. Vous allez voir, au bout d'un moment, le produit va sortir au bout. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez l'utiliser. Alors, on ne l'utilise pas sur tout le visage, bien entendu. On va l'utiliser, vous voyez là, le produit est sorti. Je ne sais pas si vous le voyez, oui. On va l'utiliser sur des rides en particulier. Moi, je l'utilise par exemple sur la ride du lion, sur les rides de la patte d'oie. On peut l'utiliser ici dans le sillon nasogénien ou pour d'autres petites rides qu'on aurait sur le visage, mais aussi par exemple sur le tour de la bouche. Donc, vous l'utilisez ici en appliquant, vous le voyez, sur la ride. Bon, éventuellement, moi, ce que je fais, c'est que s'il y a trop de produits, je vais tapoter. Il ne faut pas étaler, sinon ça ne sert à rien. Il faut tapoter sur la ride. Et on laisse sécher. Donc ce côté avec la bille, c'est l'effet anti-ride. Ensuite, une fois que le produit a bien pénétré dans la peau, on va passer à la phase 2 avec l'autre côté du stick que vous voyez ici. Pareil, vous allez faire sortir le produit en tournant la petite bague que vous voyez ici. Alors je vais vous le montrer. J'espère que vous allez le voir. Peut-être sur le noir, on le verra mieux. Voilà ici. Le produit va sortir ici par le bout et l'embout est plat. Et donc, pour l'appliquer, vous allez l'appliquer tout doucement, vous voyez sur la vidéo, en tapotant sur la ride. Et éventuellement, là aussi, s'il y a trop de produits, moi, ce que j'ai fait, on n'étale pas, ce n'est pas le but. Vous allez tapoter pour finir de mettre le produit correctement. Et vous voyez, ça a un effet flouteur immédiat. Donc, vous allez traiter à la fois la ride en profondeur avec le premier côté. Et avec le deuxième côté, vous allez avoir cet effet flouteur qui va faire disparaître votre ride. Alors, pour rentrer un peu dans la composition, le côté avec la bille contient de l'acide hyaluronique qu'on ne présente plus. On sait à quoi il sert. Il va avoir cet effet repulpant sur la ride, bien hydraté. Déjà, en apportant cette hydratation, ça va permettre d'atténuer la ride, déjà, pour commencer. Ce côté avec la bille contient également des tripeptides qui ont une action sur le renouvellement de la peau et donc aider à lisser cette ride. Pour l'autre côté, on va avoir un produit à effet tenseur qui va donner cette action lift immédiat, mais aussi cet effet flouteur qui permet visuellement de faire disparaître la ride. Alors pour trouver les produits Ayoma, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ce Sublime Stick coûte 38,40€. Moi, je l'utilise depuis plus d'un mois et il est loin d'être terminé, si j'en juge par le poids, parce qu'on ne le voit pas beaucoup diminuer. Vous l'avez vu, on en utilise très peu, donc je pense que ça doit durer quand même assez longtemps. Ce qui m'a plu, c'est cet effet immédiat. Déjà, immédiatement, avec l'embout à bille, c'est très agréable. Cet effet frais, cet effet
repulpante, puisqu'en fait, il y a de l'acide hyaluronique. Et ensuite, dès qu'on passe l'effet flouteur dessus, on a un effet immédiat, ça se voit. Alors pour la durée dans le temps, là je suis un peu plus mitigée. Ça ne dure pas non plus toute la journée. Vous allez l'utiliser et ça va se voir peut-être pendant une heure ou deux, mais c'est l'intérêt de l'avoir dans le sac si vous voulez vous en remettre dans la journée. Alors du coup, ça va traiter de nouveau votre ride ou vos ridules bien entendu et redonner cet effet flouteur pour faire disparaître vos rides et ou vos ridules. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir l'avis de mes copines de la team des beautés majuscules. J'ai mis tous leurs liens ici en barre d'infos. Elles vous diront ce qu'elles en pensent, comment elles l'ont utilisé. On va voir si elles ont trouvé le même effet que celui que j'ai trouvé. Bah, allez les voir, c'est le plus simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Et vous n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Ou alors, pour vous prévenir aussi, également des lives du vendredi soir à 18h, ou alors si je vous laisse un petit message sur YouTube. Nous sommes chaque jour de plus en plus nombreux et nombreuses à être ici. Ça me fait un plaisir immense et je vous en remercie. Cette team est aussi l'occasion de mettre en lumière les femmes de plus de 50 ans. Donc continuons à faire nos tests, continuons à papoter et on va faire comme ça sortir de l'ombre les femmes quinca et plus. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors ce petit stick, depuis que je l'ai, il est dans mon sac à main. Oui, j'en mets le matin avant de partir. Et puis de temps en temps dans la journée, vous savez, dans les bureaux surchauffés, souvent, on commence à avoir un peu la peau qui chiffonne. Ben voilà, c'est là que je vais m'en servir dans des endroits bien ciblés. Alors chez moi, les endroits bien ciblés, ça va être essentiellement ici, ici et ici. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est bien aussi en contour des lèvres. Donc c'est à vous de vous adapter. Son action n'est pas très longue, mais comme on peut en remettre souvent, c'est pas bien grave. Et puis en plus, il dure très longtemps, puisque ça fait plus d'un mois que je l'utilise et il n'est pas terminé loin de là. Voilà, donc à vous d'essayer, vous verrez. Ciao.